Donc, salut mes petits amis, de retour pour une nouvelle investigation. Donc, nous sommes dans un lieu, un sanatorium. On ne donnera pas, bien sûr, comme d'habitude, l'endroit exact du lieu. Donc, je suis avec mon équipe, hein, Steven, Salut. Séverine. T'as entendu la barrière? Ouais, j'ai entendu la barrière. Ça a tapé. Je pense que ça, je sais pas si c'est la ferraille qui travaille. Je sais pas. Le bâtiment qui travaille, ça fait craquer là. On est pas de la ferraille. La ferraille, ouais, c'est, Je je sais pense que pas. c'est claqué comme ça. Je sais pas. Ça, Donc je reprends. Donc Steven, Séverine, Jérôme, moi. Et puis on a aussi un groupe d'urbexeurs. Donc il y en a deux particulièrement, particulièrement, pardon, vous connaissez déjà. Donc Némésis, Salut tout le monde. voilà. Christopher, Projet Urbex, donc Christopher et Alexandre. J'ai oublié. Emmanuel. Emmanuel et Clément. Ah, voilà. Votre chaîne? Ma chaîne, c'est Mister Urbex. Mister Urbex, donc pour Emmanuel et Pas Clément. de chaîne, non. Pas de chaîne encore? Non, Bah alors, il faut y aller, il faut s'y mettre. Hein. Donc voilà, donc nous sommes dans un lieu, un immense lieu. On va voir ce que ça donne. Donc ça promet parce qu'on a quand même eu quelque chose déjà en haut, des petites choses. Donc alors, hein, toujours dans le rationnel, on ne dit pas que c'est paranormal. Ça sera analysé, à étudier, pardon. J'ai du mal encore ce soir. Ouais. Et c'est la fatigue, je suis Ouais, fatigué. on a déjà. Il est minuit passé même. Donc voilà. Et on va commencer. Donc, n'ayez pas peur de nous. De la fenêtre.